Salut tout le monde, c'est Cosfrog. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Désolé si j'ai voilà, tu collais. Donc du coup, ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéos et de live. Désolé parce que vu que j'ai école et tout, du coup voilà, je pouvais plus faire trop de vidéos. Ça fait combien de temps que j'ai plus fait de vidéos? Attendez. Bref, du coup voilà, on est sur du Call of Duty Cold War. Donc là, bien sûr, je l'avais déjà depuis longtemps, genre depuis 2 jours avant qu'il était sorti. Enfin non, quand il était sorti, j'ai attendu 2 jours. Bon après je pouvais pas faire trop de vidéos parce que vu que ça a bugué le truc et tout, du coup voilà. Du coup j'ai tout installé, enfin ça fait depuis longtemps bien sûr hein. Du coup attends, en même temps je vais voir ça fait combien de trucs. Ça fait depuis... Attendez. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Ah oui quand même. Ok. Désolé pour tout ce retard, désolé, je suis vraiment désolée. Du coup bah voilà, je reprends pour l'instant les vidéos parce que... Enfin je vais essayer bien sûr parce que j'ai... Vous voyez, j'ai école et tout, voilà. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Du coup, on va faire de la campagne, donc voilà. Mais bien sûr, on fera du zombie, du Warzone, du multijoueur. Ça, on verra. Du coup, bah, c'est parti. Alors, s'il écrit partie 1, c'est normal. Hein, j'ai joué un peu avant vous. Enfin, j'ai joué juste un peu pour voir si c'était bien ou pas la qualité des trucs et tout. Du coup, bah, c'est parti. Nouvelle partie, on va mettre. Vas-y, deux trucs. Bon, on va mettre ça, c'est pas grave. C'est bon, c'est parti. Wesh. Wesh wesh canapé. Ah ça commence. Désolé si c'est autant de bruit. Enfin ça fait, le bruit il est très fort. Bon cette fois-ci je vous laisse. Ciao. Il nous faut prendre conscience qu'aucun arsenal ni aucune arme au monde n'est aussi formidable que la volonté et le courage moral des hommes. C'est une arme que nos adversaires d'aujourd'hui n'ont pas. Que les choses soient bien claires pour tous les terroristes qui s'en prennent à leur cause. Les analystes des renseignements américains pensent que les États-Unis sont déjà en guerre avec l'Union soviétique. Des espions soviétiques vivent-ils parmi nous ? 52 citoyens américains ont été pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran. D'après une source anonyme officielle de la Maison Blanche, un cataclysme de la guerre froide est à nos portes. Monsieur le Président, nous avons deux noms en lien avec la prise d'otage. Arash Kelivar et Kassim Jamani. L'ordre vous revient. Il est temps d'envoyer un message. Il n'y aura plus d'otages. Oh, c'est trop stylé en vrai. Mon dieu, si le son est tellement fort, je suis désolée. Mais j'essaie de faire moins de trucs. Si je mets trop basse le volume, vous allez moins entendre. Du coup, j'essaie de... T'es sûr qu'on peut faire confiance à la police, Adler? Attends, ce type a fait plus pour moins que ça. Bon, il va fermer les yeux. Attends, quoi? Attends, je vais essayer plus grave plus tard. Adler? Ravi de vous voir, Hans. Vous connaissez Mason? On va pouvoir donner l'assaut. Kassim est dans son logement, mais il est bien protégé. Je peux tenir mes hommes hors de la zone pendant un quart d'heure. J'espère que vous avez une armée. On a ce qu'il faut. C'est un plaisir de traiter avec vous, Hans. Allez, Woods est prêt, c'est de s'échauffer. On ne peut pas le décevoir. Bon. Ouais, je suis tranquille. Attends, mais il vient de se rejoindre. Ok. Oh, franchement, c'est trop stylé et tout. Bon, je peux pas le temps de voir, je crois que c'est peut-être... Bon, je vais faire la mission. Je suis en train de dire, ouais, mais vas-y, fais la mission. Leur fil, Woods. Ne faisons pas attendre, Cassie. Oh, il est énorme. C'est moi, mon frère. Les petits cadeaux sont dans le coffre. Ah. Oh. Alors, soit je prends une AKU, soit je prends une mélon, soit je prends une MP5. Attends, plouf, plouf. Une allumette qui prend feu. Tchit. Ok. Plouf, plouf. Une allumette qui prend feu. Tchit. Ok. Attends, on va voir si c'est bien. Oh, ça va, on la prend, c'est pas grave. Sale chien. Il doit sûrement se croire à l'abri. Attends, j'ai pas fini, frérot. Ce connard est un paquet de choses. Mais il est sûrement pas à l'abri.
Ah, ok, d'accord. Il faut vraiment qu'on prenne ce salopard pour rien. Cassim a des infos, mais les autres, on peut les abattre. L'appartement est droit devant. Attendez, pourquoi c'est trop court ? Je me demande juste un truc. On va où là ? Oula. Prévise, prévise. On doit rentrer. Ok. Hans nous a gratté un quart d'heure. Il faut qu'on frappe Cassim vite et bien. Allez. Ok. Oh, y'a des personnes, y'a des personnes. Ok. Je peux chercher. On va leur souhaiter une bonne année. 2020 ? 3, 2, 1. Il est par la fenêtre. Ok, exécuté. Wow. On peut dire que c'est un bouclier vivant. Non, j'arrive. Rappelez, parce que je mets juste une balle, regardez. Hop. Ah non, c'est pas cool. Bon, heureusement il y a la vidéo, c'est ce que je vais dire pour les campagnes, parce que eux... T'as pas la vidéo sur la campagne, je crois que t'es mort, hein. Ok, ok. On tente. On va passer, Attends, il crée exécuté, c'est quoi? Chut. Il crée des couteaux. Oh, je suis un peu drôle là, c'est torpille idiot ou quoi? Tiens. Ouais. Non, quoi, quoi. Oh non, j'ai plus de crever. Wesh. Attends, je vais les exécuter là, comme ça. Hein. Go, go. On se dépêche. Ah. On va sauter là. S'arranger. Ah non. À toi, Mason. Alors je vais là. Mason, ah je m'appelle Mason. Ah ok, d'accord. Stop, stop, stop. Stop, non, non, non. Ok, dis-nous où est Archer pour laisser partir, t'as cherché. Vas-y, j'agis ça. Je m'occupe que de l'argent. Je sais pas du tout où est Arash. Je crois que tu comprends mal la situation. Les Américains ont des lois. Vous avez des lois. T'as pris des otages. Ah. Ça change tout. T'as intérêt à parler, mon ami, ou je te pourrais pas te l'empêcher de te pousser. Si tu parles pas, tu tombes. Ah. Si tu parles non. pas, tu tombes. Non, 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 non. Il est en Turquie. Okay. Il est à rendez-vous à l'aérodrome de Trabzon. Demain okay. soir. Qu'est-ce Achar doit rencontrer, pousser, il y a de temps... Non, vas-y, je continue. J'en sais rien. Il communique seulement par message codé. Oh. Ok, relâcher, pousser ou capturer. Tu viens avec moi, je te t'avais dit. Ok, je vais le capturer au cas où s'il y a plus d'indices. Bon. Mais c'est pas. Je vais le capturer. Je vais le capturer. Vite retrouver sa voix. Peut-être, moi, franchement. Hudson, on t'apporte un cadeau. Il est à Trabzon en Turquie. Bon, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit... Attends, je vais vous expliquer plus tard. On peut oublier Cassim. Quand est-ce qu'on mettra la main sur Arash ? L'équipe est arrivée en Turquie il y a quelques heures. Il devrait bientôt être en position. Ah, mais il avait dit qu'on s'en fout de Cassim, donc le mec, on vient de le voir. Oh, on a un couteau. L'aérodrome est droit devant. On va trouver cet enfoiré. Attends, t'as revisé, toi ? Tu me dis... Attends. Ah oui, les amis, pourquoi je vous ai dit, oh non, il y avait une flamme ? Ça ressemble à Black Ops 1. Vous avez vu, sur la campagne de Black Ops 1, elle est trop stylée. Du coup, attends, mais lui, il me dit un truc, le mec. Wood, le mec, il me dit quelque chose.
Eh, mais regarde-moi, frérot. Mason, jette un œil. Ok. Oh, là, là. Du coup, L2. Alors, l'avion. Du coup, attends, je vais regarder l'avion. Qu'est-ce que je vais faire, je sais plus. C'est pas lui. T'as dit quoi? Je viens de parler. Attendez, j'ai pas le tricoteur. Il y a un véhicule à gauche. Ah là, ouais. Ah, il s'arrête les yeux. Du coup, je dois le suivre. Non, je sais pas quoi. Arrache, je suis peut-être dans la bagnole. Ah, ok, attends. Ok. Oh, il est là. Attends, c'est pas lui? Ah si, c'est lui, vu qu'il avait des cheveux bizarres. Ouais, ouais, c'est lui, c'est fait. C'est lui. What? Ils ont buté tout le monde dans la bagnole. C'est forcément Arrache. Tirez pas, on doit en être bien sûr. Comment on peut être sûr? Ah, c'est ouais, c'est bien lui. Oh là, il y a un blême là. Merde, on l'a loupé. Attends, il y a un problème là. Tu l'as touché? Faut qu'on arrête cet avion. Vite, au 4-4, la feu. Oh, Kavalkini. Non, je vais conduire. Ah non. Ah, oh, ça. Ta. Allez, recharge. À gauche. Oh, il y a. Ok, alors, accélérer, du coup, ça je connais. Wouhou! Il est très bien, ça. Wouah! Eh, regarde! Wouh! Il y avait un truc qui est un petit. Je peux pas les tuer. Il a fait une rate. Oula. On est safe tonight ou... R.I.P. Mason. Je crois qu'on m'appelle Mason. Attends, je... T'aurais dû libérer les otages quand tu le pouvais encore. Les otages. Mais les otages n'ont qu'une importance. Son plan est déjà en marche. Vous ne pourrez pas l'arrêter cette fois. De qui tu parles? Perseus. Foutaise, Perseus est mort. Depuis tout ce temps, vous n'avez donc rien compris. Perseus va brûler l'Occident. Wesh. Faut qu'on raconte ça à Hudson. On cherche des survivants sur le tarmac et on rentre. C'est qui ça, Perseus? Ok. 1943. Des informations relatives au projet Manhattan sont dérobées à Los Alamos par l'espion russe surnommé Perseus. 1968, guerre du Vietnam. Les soldats Viet Cong à la solde de Perseus tentent de voler une bombe nucléaire américaine en infiltrant une base.
a 5 jours, lors d'une mission, nous avons découvert que Perseus était de retour et prêt à attaquer l'Occident. Perseus, les analystes de la CIA le considèrent comme la plus grande menace au monde. Monsieur Hudson, on connaît tous ce Perseus. Mais on sait qu'il tient plus de la légende. En fait, personnellement, je crois qu'il s'agit plutôt du croque-mitaine des Russes. Général Haig, laissez-moi vous présenter l'homme le plus à même de vous répondre. L'officier des services secrets de la CIA, Russell Adler. Il est l'une des rares personnes à avoir failli capturer Perseus. Monsieur Adler, pourquoi faudrait-il prendre la menace de ce Perseus au sérieux ? Pas besoin, monsieur. Ouais, il y a un paquet d'innocents qui vont mourir. Pourquoi dites-vous ça ? Monsieur, chaque fois que Perseus est entré en jeu, l'équilibre de la guerre froide a basculé. Après 13 années de silence, c'est détectif. Quelque chose de gros se prépare. Pour moi, c'est décalé les voix, je sais pas pourquoi. Quelque chose qui touchera le monde libre. Monsieur le Président. Monsieur le Président, voici Jason Hudson et Russell... Oh, je les connais. J'ai même approuvé leur récente mission. Cette menace est réelle ? Oui, monsieur, nous le pensons. Pouvez-vous stopper Perseus ? C'est possible. J'ai d'ores et déjà mobilisé mon équipe. Monsieur, ces demandes sont très inhabituelles. Et sans doute illégales, si la presse découvre tout ça... Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous savez qui on est ? Chacune de nos missions est illégale. Sergent Woods, notre activité repose sur la notion de déni plausible. Ah là, on veut empêcher une attaque sur les hommes et les femmes du monde libre. Donnez tout ce qu'il veut à Monsieur Adler. Messieurs, vous avez une mission importante. Protéger notre mode de vie lui-même d'un immense danger. Aucun devoir n'est plus important. Aucun honneur n'est plus grand. Peu de gens connaîtront votre rôle. Mais soyez-en sûrs, le monde libre tout entier en bénéficiera. Je sais que vous n'échouerez pas. Ici Hudson. Hudson, est-ce qu'ils ont déjà commencé ? Ça devrait plus tarder. Adler est à Berlin-Ouest. Il devrait bientôt arriver à la planque. Tu lui fais confiance ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, Black. Et pour son équipe ? C'est un bon groupe. Il a trouvé Sims et Azoulay. Il a même obtenu du MI6 qu'on lui prête Ellen Park. On devrait bientôt leur ajouter Mason et Woods. J'ai des doutes concernant Park. Adler et elle ont déjà travaillé ensemble. Alors il la veut dans l'équipe. Et la recrue ? Belle, je préfère pas en parler. On a intérêt à rester vigilants. Ok, désolé si vous entendez des bruits, peut-être pas, je sais pas. Alors, franchement, j'ai reconnu une personne de Black Ops 1, encore une fois. C'est le mec avec le coaster, enfin, je critique pas, mais la boule à zéro. Je le critique pas, bien sûr. What ? Ok, je l'ai reconnu parce que c'est sur Black Ops 1, 5, vous voyez, c'est le truc de 5. Ou on voit la map de 5. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, sélectionner. Prénom, bah je marquais DGBL, je m'en fous. DGBL. Je crois que c'est en bizarre. Wesh. J'ai pas critiqué. En même temps, si vous voulez savoir, c'est mon pseudo. Du coup, voilà. Si vous voulez me demander un ami. Vous pouvez me demander un ami. Du coup. Oh, il me saoule. Je vais marquer. Abonne-toi, ouais. Non, je rigole. Prénom de famille. Mike, salut. J'ai marqué ça ou pas ? Attends. J'ai marqué salut, ça va, vas-y. Attendez. Salut. En vrai, je sais pas, ça va rien changer, je crois. Ouais, bon, de toute façon, ils vont savoir, ok, je m'en fous. Voilà, même si écrit Kava. Salut, ça va. Ok, bah, Europe, du coup, hein, check.
couleur de peau. Bon bah, je préfère avoir toutes les couleurs, hein, vu que c'est la même chose. Du coup, objet. CIA M16 ancien KGB. T'as compris. La CIA, je crois que je la connais. Enfin, la CIA, tu m'as compris. Hein. C'est quoi? Alors, par contre, je sais pas pourquoi, mais je vous jure que moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a écrit. En fait, je suis dans une vidéoprojecteur. Voilà, c'est un KGB. Enfin, je suis dans une. Enfin, je peux pas voir bien parce que je vois juste après un bref. Après, je ne vois pas le reste. Parce qu'en fait, c'est tellement bizarre avec le truc là. Du coup, je peux pas voir bien. Du coup, bah, je suis obligée de prendre au hasard en fait. Désolée. Du coup, bah, désolée si par exemple, si vous dites, mais non, vas-y, prends ça, prends ça. Je vais prendre la CIA. Je sais pas. En vrai, je crois que je vais prendre la CIA. En vrai, la CIA, c'est bien, non? Bon, après, vas-y, je prends la CIA. Après, c'est à vous de choisir. Enfin, à vous de choisir de vous, pas comme moi, bien sûr. Hein. Ah, on peut choisir notre profil machin chouette. Alors, du coup, augmente la vitesse de la visée de 100%. Tant de la visée. Oula. Oula. Je sais pas lire. Visée la réduite de mention. T'as compris. On est marre, je sais pas lire. Augmenter les dégâts basés. Ouais, t'as compris. De 25. Ouais, bref. Cocher l'île. Tu vois, j'ai une trompe. Après, t'as la durée du boost de strength à du. Rien. Professionnel. Du coup, déplacement, la vitesse maximale en regardant dans le viseur. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire, quand je regarde dans le viseur, et bah, du coup, ça. Je peux. Comme si je cours plus rapide. Enfin, genre. Attends. Je vise et je marche plus rapide. Voilà, c'est bon. T'as compris. Alors, réduit les dégâts explosifs subis de 50%. Ok, ça peut être bien, non? Augmenter la capacité en munitions d'un chargement, un chargeur, pardon, supplémentaire. À capacité, pardon. Ouais. Augmenter la capacité en équipement. Ah, donc ça veut dire que je peux en avoir deux que. Augmenter la vitesse de rechargement de 50%. Ah, peut-être ça, c'est bien! C'est comme recharge mais augmenter la santé de 25%, ça c'est peut-être bien. Pourquoi? Enfin, attends, réduit la triste. Eh, me jugez pas, ok. Lié à la douleur de 90%. En fait, j'ai pas compris. Ah, oh, il y a des mots que je comprends pas. Vous voulez quoi maintenant? T'as un blême? Réduit le reculement de l'arme de 25%. Il faut augmenter la cadence de tir de 25%. Réduit de 30% les dégâts subis en restant immobile. Ah, ok. Moyen. Tir jugé plus de précis. Ah, ok, d'accord. Je crois que je vais prendre ça pour avoir plus de 25% pour un choix. Non. Enfin, ouais, je vais prendre ça. Et ouais, je prends ça. Ah, je peux en mettre un deuxième. Ok, du coup, c'est bien. Prenez la durée du booster de sprint. Ah, donc ça veut dire que je pourrais plus. Ouais, ça va rien, même. Bon. Ça, on s'en fout. Ça réduit les dégâts explosifs subis de 50%. Ok, c'est peut-être pas mal en vrai. Si par exemple, je me mets une grenade sans faire spray et du coup, bah, je l'ai balancé. Voilà, t'as compris. Augmenter la capacité de munitions, je crois que je vais mettre ça. Parce que c'est bien en vrai, tu peux tirer, enfin tu tires plus précisément, tu vois. Enfin, t'as compris. Enfin, tu tires mieux qu'avant. Parce que je sais pas pourquoi j'ai tiré sur le mec et pourtant ça a tiré sur le mec devant. Bon, tu vas voir pourquoi. Peut-être j'ai mal visé, hein, je sais pas. Ouais, du coup, je crois que je prends. Ah, patient, sérieux, j'ai même pas vu ça. En vrai, je crois que je vais prendre ça. Hein. Réduit 30% les dégâts subis en restant immobile. Ça veut dire que si je bouge pas, et ben genre, j'ai moins de. Enfin, les dégâts de jets qui me font dedans, je crois que c'est moins, je crois. Ouais, je crois que je prends ça. Attends. L'autre, c'est quoi? Agressif, augmenter la vitesse de recharge. Ouais, je crois que je prends ça. Parce que c'est mieux, parce que le cas où, si j'ai une bateau, c'est du coup, voilà. Alors, c'est bon. Confirmé.
Ok. Ça a pris au moins 2 heures. Du coup. Belle. Bienvenue à Berlin-Ouest. Non, blablabla. On doit faire notre boulot. Park. Adler. Belle. On capte de plus en plus de discussions chez les Russes depuis 48 heures. La CIA et la Défense contactent leurs sources pour en savoir plus. Mais pour l'instant, aucune piste concernant Perseus. Le MI6 aussi est rentré les mains vides. Faut bien commencer quelque part. On va retourner ici, au Vietnam, en 1968. On avait pour ainsi dire frôlé Perseus. Mais merde. Au fond de moi, je savais qu'on n'en avait pas terminé avec cette mission. Sors tout ce qu'on a sur l'attaque de Danang et montre ça à Park. Elle croisera nos infos avec le MI6. On cherche des noms de code, des transmissions cryptées, des activités russes en lien avec la NVA. Tout ce qui pourrait être une piste. Compris. Belle, c'est à toi de jouer. Je voulais les meilleurs éléments de la CIA pour le SOG. Et c'est pour ça que j'ai de nouveau fait l'appel à toi. Approche-toi du tableau. On va retracer nos pas dans Danang. On trouvera peut-être des indices sur Perseus. Ok, ouais, mais le problème c'est que. Sims va te retrouver le reste. Je vais explorer un peu. Du coup, ça c'est sniper. Ça c'est. Mon équipement médical sera bien. Parlez. Beaucoup de ces trucs sont là depuis des années. Surtout qu'est-ce qu'il y a à me dire, ok. Qui veut parler avec moi? Je suis disponible pour vous. Ah, il m'a fait peur! Non! Ouvre! Il va falloir que je traite ces vieux négatifs. Ok. Tu peux venir quand tu veux. La chambre noire est à peu près fonctionnelle. J'attends juste quelques livraisons pour finir l'installation. Ok, pour l'instant, il y a rien ici. Ah, débrouillé. Oh, attends. Ok. Ah, il y a un code. Attends. Dossier, médicalement, 2, consultant. Ouais, bref, t'as compris. J'arrête de dire ça. Ok, en fait, je pense qu'il faut bien explorer. Ah, et pour aller. Belle. Depuis combien de temps tu travailles pour la CIA? Connais-tu Perseus avant de quitter le... C'est combien de temps tu connais la CIA? Je bosse pour la CIA depuis plus de 10 ans. Mais officiellement, ça doit faire 5 ans. Je suis né à D.C. Et puis mes parents ont déménagé en Israël. La double nationalité, ça a du bon. Tu dois en savoir plus que moi. J'imagine que ça doit être un truc que les hautes sphères voulaient garder pour elles. Ouais. J'ai intégré les forces de défense israéliennes en sortant de la fac, pendant un temps. Après ça, le Mossad. C'est là que j'ai commencé à bosser pour la CIA. Et ponctuellement, pour notre patron là-bas, Adler. Assez parlé. Sims, le sac de frappe. Ouais. Comment ça va, Belle? Pourquoi je m'appelle Belle? Ouais, chaud. Les histoires sont... Bon, de toute façon, dans tous les cas. Dans ce cas précis, oui. Je suis sûre que tes connaissances peuvent nous être utiles. Ce n'est pas simple, Belle. Je ne prétends pas pouvoir comprendre ce que tu ressens. Peut-être qu'en reparler pourrait être... thérapeutique. Toi et moi? Ah, tatatoro! Ça fait des années que je travaille avec d'autres services de renseignement. On a dû se croiser à un moment donné. Non. Oh. Je veux bien que tu me racontes ton service en Indochine. La flemme. Si proche de Perseus. Que sais-tu? Bon, vas-y. On se reparle bientôt. Ouais, vas-y, ça jamais. Ouais, bon, vas-y, moi j'ai pas le temps, vas-y, je visite tout. Sale chien, il m'a fait peur! Vas-y! C'est Octogone, vas-y! Ah oui, je vais arrêter, je vais faire la mission. Ah oui, wesh. Et il m'a fait peur la télé! Et plus jamais je me mets les pieds dedans.
Ok, bah tous les tableaux, ça c'est pour marquer le truc que je vais faire. Mission suivante. Du coup, je vais faire ça. Oh, respecter. Derrière, il écrit quoi? E. Ok, je sais pas lire le truc. Ok, derrière, il écrit quoi? Rien. Ah, je peux zoomer, j'ai oublié ça. Bon, au pire, vous me lirez vous-même. Enfin, de toute façon, c'est en anglais, donc je crois que je sais pas lire. Hein. Oh, c'est quoi ça? C'est une arme ou c'est une bombe? Ah, ok. Oh, ça, c'est un couteau, ça. Toi, j'aimerais bien l'avoir. Ouais, bon, allez, on va arrêter de specter. Hop, démarrer la mission. Désolé si j'ai pris beaucoup de temps, mais faut au moins regarder un peu. Ok, oh, Belle. On retourne au Vietnam. La première fois qu'on a entendu parler de Perseus, c'était fin janvier en 68. On avait combiné les forces de la CIA et du SOG au sein du 3e régiment de Marines près de Da Nang. Le SOG était là pour flairer les soviétiques. On racontait que des agents russes opéraient dans la région. Perseus n'avait pas de présence établie au Vietnam. Ça a changé à Da Nang. Perseus a appris l'existence de l'opération Fracture Joe. Fracture Joe. Ça avait bien dérapé. On est parti du camp à Skills. Ouais, jamais j'oublierai ce droit. Bien, on a besoin de ces souvenirs. Aucun détail n'est insignifiant. Les visages, les noms. On cherche tout ce qui pourrait nous conduire à Perseus. Ouais, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Peut-être, mais l'aiguille, il est quelque part. Souvenez-vous, on avait une mission. Ok. Bon, désolé si j'ai... Enfin, je laisse la cinématique pour vous. Et bien sûr, si vous voulez pas vous spoil, bah, laissez juste un petit like et voilà, c'est tout. Et abonnez-vous quand même. Du coup, bah, voilà, on va voir qu'est-ce que c'est. Une petite musique, mais vraiment tout petite. Écoutez si vous pouvez entendre. Je sais pas si vous l'entendez. En tout cas, moi, je l'entends. C'est long. Oh. Ça avait bien dérapé. Belle. Faut s'éveiller. C'est le moment. Oh, mais... Attends, je suis tombée sur quoi? Ah, c'est une chose. Oh, j'ai un pistolet. Oh, je peux prendre ça. Hey. Oh, mais attends, en fait, je crois que j'ai bien exploré, hein, clairement. Je prends... Non, je vais pas prendre l'arme. Bienvenue pour une nouvelle journée au camp Askins, notre petite oasis au milieu de cette putain de tempête de merde. Ouais. Tu crains rien ici. Les enfants, c'est pas grave. Enfin... Vas-y, je vais aller dedans. Attends-moi, s'il te plaît, frérot. Hey, Butcher. Et ton bras. La douleur est horrible, mais au moins je peux le bouger. Ouais, non, y'a rien. Allez, plus vite, plus vite. Wouah. Trop stylé. Oh là. Hey Sims, tu sais que tu vas finir aveugle à force de lire ce truc? Ouais. Quoi? C'est pour ça que je veux tout retenir. Hey, avec Sims, vous formez une bonne équipe d'habitude. Ah bon? On a une nouvelle mission. FOB 4 Ripcord détient un colis important que Charlie veut pour lui. De quel genre de colis est-ce qu'on parle au juste? Le genre qu'on doit pas connaître. Ripcord a pris un sacré coup sur la tronche. Alors c'est à nous de trouver le colis et de foutre le camp. Du calme, on aura des avions de combat en soutien aérien pour cette mission. Ça sera une partie de plaisir. Je vais conduire. Mettez les casques. À tous les appareils au rapport quand vous serez prêts. Badger 9-1, prêt à partir. Badger 9-2, prêt. À tous.
tous les avions, décollage immédiat. Go, go, go. Tout le monde a décollé. Vous êtes assis comme il faut ? Oh merde, Adler ! Pourquoi j'ai l'impression que tu vas nous annoncer une mauvaise nouvelle ? Parce que t'es malin, Sims. Mais c'est pas si mauvais, et ça pourrait même être très très bon. Le collier à Ripcord va devoir attendre encore un peu. On va se séparer de l'armada pour un détour. Et en quoi c'est une bonne nouvelle ? On nous a avertis de la présence d'un poids lourd en ville. Un agent russe connu sous le nom de Perseus. Oh, merde ! J'apprécie l'enthousiasme, Sims. Si la source dit vrai, on pourrait trouver une mine d'or de renseignements. La première fois qu'on a entendu parler de Perseus. L'approche du village. Bien reçu. Je vais établir une zone d'atterrissage. Un lance-roquette. Choc 2, allumez-les. Là, dans le coin. En 2 minutes, c'est trop fort pour moi. Attends, tu fais 6 secondes. On va un peu empêcher le volume de la vidéo. Putain de merde, on relance la gueule sur les toits. Accrochez-vous, ça va secouer. Attends. Aïeux, méchant garçon. Toi et moi, Belle. Allez, on y va. Toi et moi, ok. Je crois que je m'appelle Belle, moi. T'es sûr de toi, Adler ? Les rues sont loin d'être vides. Votre priorité, c'est de récupérer les infos. Nada. Oh ! Je mourrai, je mourrai, je mourrai. Tiens, je la rebonne, je la redonne. Notre source a aperçu les rues dans un bâtiment du centre-ville. Ok, c'est parti. Allez, Belle, passe devant. La ville Naka, c'est mon rêve. Continuez à avancer, vous n'êtes plus très loin. Oh, j'ai peur. Non, non. Non, non, je vais pas faire ça, je vais vous l'appuyer sur une fois. Sims, Belle, voilà le bâtiment. Mais quoi si tu fais ça? Ah! Planquez-vous, on s'occupe de tout! Putain, y'a Naka! Bon, c'est pas grave. Oh! Oh non, attends, mais y'a pas de balle. Oh, de la voiture! Pas le chien, je sais pas. Caché, je suis caché. Ah, t'es là, toi? Non! Non! Pourquoi? Je suis mal. Oh non, non, les rues sont loin d'être vides. Attends, oh, attends, mais j'ai une autre arme. Votre priorité, c'est de récupérer les infos. Oh, c'est plus facile en vrai. Ah, t'es là, toi! Notre source a aperçu les rues dans un bâtiment du centre-ville. Oh, elle est trop bien, recharge rapide. Oh, allez, Belle! Continuez à avancer, vous êtes plus très loin. Bon, allez, exécutez. Je vais prendre trop de temps. Tiens, grenade. Belle, voilà le bâtiment! Planquez-vous, on s'occupe. Trop bien, recharge rapide. Tiens, grenade. Zone sécurité. Bien, rentrez là-dedans, on verra bien ce qui nous attend. Vas-y, pas dedans. Surprise. Je vais pas prendre le l'arme qui est par terre. Je vais rester sans. Ça fait peur.
Oh là là, le réflexe que j'ai là. Oh. Ok, j'ai peur. Non. Je te jure, heureusement je l'ai pris. Tiens. C'est parti. Chercher une aiguille dans une boîte de foin. T'entends ça? Après toi, Belle. Ouvre la porte. Ok, FBI! Attends, je le tue. Adler, c'est confirmé. Les Russes sont là. C'est sûr? Damien, en tout cas. Belle, vas-y, prends le registre. Ça, on va voir avec qui il discutait. Ok. Mission accomplie. On a les infos. On se tire. Bravo, lâchez pas les infos. On arrive pour vous ramener. J'ai une question en fait. Pourquoi notre perso il parle pas? Ok, on va rejoindre l'armada et mettre la main sur le colis. Oh, des munitions. Ok. Alors lui, je vais faire très bien qu'il était là. Faites juste. Allez, ouais, voilà. Major 9-1, ici Ripcord. Ok, c'est parti, c'est parti. Je subis toujours des tirs nourris. Les viettons infiltrés le périmètre, putain. Quel est votre statut? On est en route, Ripcord. Préparez le transfert du colis. Affirmatif, 9-1. Oh, j'ai bondi. Plus longtemps possible. Oui. Ripcord terminé. Ok, L1, R1, pour monter, on a décollé. Et après c'est tout. Des viettes partout dans la montagne, aucun civil. Ok. R2, L1, E. L2, L2, et bah c'est ça. Ok. Non, c'est pas aussi facile que ça. Bon, je pense par la Jack. Attends, il est près de là-bas. Ah non, c'est mon avion. Ah non, c'est... Combat d'hélico. C'est long, allez. Voilà, il s'est bien comment c'est long. Tout c'est la fin. Bien reçu, Ripcord. On a plusieurs cibles terrestres. Putain, une roquette. On voit de Viette sur la route. Détruis ces camions de ravitaillement, ce sont eux qui arment l'ennemi. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il y a encore des trucs? Ah non, ça va. Ah, ah non, c'est ça. Je vous préviens, on a plusieurs appareils en vol. Attention à tous les fichiers. L'ennemi se serre dans la colline. Ah, il y a qui est endommagé. Comment ça? Pourtant je les ai tirés dessus. Oh non, mais... ça m'énerve ça. Oh, j'aurais dû mettre recrute. Ah, en fait ça va tuer lui. Ah bah voilà. Ok, maintenant il n'y a pas de ennemis. Oula oula oula. What? Non. Non, on va se... Ah non, ça va, on peut se cracher. Ok, c'est bon. Ouf. La base est toujours sous le feu ennemi. Méfiez-vous. Bien reçu, Ripcord. C'est vous, Adler? Quoi ça? Du Mac Vesog? Ouais, ouais. Bougez-vous le cul, allez. Pas les... Oui, chef. Quoi merci. Ça? Attends, attends. C'est une bombe nucléaire? C'est lui qui nous a rapporté un putain de bottin des renseignements russes. Quoi ça? Ah, je crois que c'est un truc radioactif dedans. Bonne chance, ouais, commandant. Une bombe nucléaire? Tu ah, quoi? C'est une sécurité, pas besoin d'en savoir plus. Ah oui, une bombe nucléaire, c'est une sécurité. Ah, oh, je savais pas, mec, franchement.
Bon, heureusement. Oh, c'est trop stylé. La bombe nucléaire. Perseus était au courant. Sims, Belle, tout va bien? Ouais, ça va. Ah non, merde! Avec la tourelle avant qu'on soit super. Je sais pas si là-bas. Meurs! C'est bon? Ah là. Du coup, nous aussi, on a l'envers. Oh, c'est... Par contre, on a un couteau. On a besoin de soutien! Belle, à toi de jouer! Il a pas toujours pété le... Non mais... Oh, une arme, les laisse pas nous approcher! Qu'est-ce parti? Parti! On est où? Ah, je suis là! Tu passeras pas! Tu passeras pas! Allez! Et le soutien aérien, qu'est-ce qu'il faut? Prends la tête! Oh non, je suis pas envie de voir, Ils nous ont raté! Aïe! Ils sont là! Je peux pas tirer! Non, je suis mort! Attends, c'est une cinématique ou tu vois? Alors, c'est tiré. Oh, je dois les tirer dessus? Oui, cavalier, en fait, non! Il va me tuer. Oh, la chance que j'ai. Tu crois qu'on peut parler de victoire, Sims? Au moins la bombe a pas pété. Heureusement. Mais surtout, on a des infos sur Perseus. Je t'avais dit qu'on avait une mission. Et on n'a pas fini. Loin de là. Oui. Comment s'est passé l'exercice de mémoire? Bien, en croire Adler, ça fonctionne. Tu vois les renseignements cryptés. Belle les avait vus au Vietnam et a presque fini de les décoder. On y a trouvé quelque chose? Quelques noms, apparemment. Des pistes possibles. Park essaie de trouver un lien dans tout ça. On n'a pas beaucoup de temps. L'équipe est au courant du petit incident à Berlin. Non, mais s'il le relie à l'un des noms que Belle a trouvé, ils vont vite comprendre. Mais ça n'arrivera pas, Hudson. N'en dis pas plus que le strict nécessaire. C'est pas le genre d'erreur que je ferai. Ok. Franchement, c'était grave stylé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Oh, attends, mais comment ça se fait la bombe nucléaire, c'est pas pété? Non, quand il y a un explose, il explose, non? Je sais pas, c'est bizarre. Bon, après, heureusement. J'aime trop quand il a dit au moins la bombe a pas pété. Ah, on a fini d'analyser les noms obtenus par Belle à Danang. Il y en a un qui sort du lot. Anton Volkov. C'est un trafiquant d'armes russe qui travaille à Berlin-Est. Pour tout avouer, ses liens avec Perseus sont surprenants. On a pour ordre de tuer ou capturer Volkov. Si on peut pas trouver Perseus, on cherche ses hommes. On lui coupe ses ressources. On le force à se montrer. Mason et Woods terminent ce qu'ils ont à faire à Kiev. Ce qui veut dire que Volkov... Ok, du coup, attends, je vais reparler avec elle, là. Je peux te parler ou pas? Le MI6 traque Volkov depuis plusieurs années. Je recommande vivement d'essayer de le capturer. Plutôt que de le tuer. Il détient de nombreuses réponses à nos questions.
présence a été notée. Ok les gars, vous êtes trop pauvres, je vais y aller. Non, je vais dans une prochaine vidéo, je vais aller dans ma prochaine vidéo. Pour l'instant, attends, je vais là pour elle. Les infos trouvées à Da Nang sont une mine d'or. J'avais dit quoi déjà? Ah oui, ça. C'est vrai, pendant un temps, on a des intérêts communs. Pour être honnête, j'ai travaillé avec plus agréable comme personne. Né sur la côte de Leningrad, ne se déplace jamais en journée. Il a un goût parfait pour le scotch et les appareils de torture médiévaux. Il aimerait le Royaume-Uni. Je lui ferai visiter personnellement un jour. Bon, avec bon, après les restes. Bon, attends, toi, je vais te parler de ça, s'il te plaît. On en parlera en route, Ben. Ah ouais. Okay. Une seconde. Ouais, ouais. Ouais, bon. Bon, après, c'est ça. Bon, les abonnés, je vous laisse. Bon, je vous laisse pour... c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser parce que ça fait une bonne partie, hein. On a fait plein de trucs. La bombe nucléaire n'a pas beaucoup... enfin, elle n'a pas explosé. Ici, il y a un code à faire. Ici, il y a un truc à faire, je crois. Ici, il y a un code. Donc, attendez, c'est un truc. Ok. Bon, bah j'espère bien que j'aurai le code là. Ou sinon, bref, y a rien d'autre. Bon, bah j'aurai ça. Leur truc. Donc, bah voilà, les abonnés, je vous laisse. C'est la fin de cette vidéo. Donc, je l'ai dit deux fois. Bref, vous dites abonnez-vous et likez et partagez. Ça fera tellement plaisir. Qu'est-ce que je dis, les abonnés? C'est très simple. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Attendez. Chapeau d'avoir trouvé ce nom, Ben. Attends, attends. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, allez, ciao. Ciao.